We are live. Okay, so thank you to everyone for joining us today for this web talk about the just transition. We hear a lot about the term just transition these days, and today we want to explore concretely what it means and how we can make sure that Europe's transition away from fossil fuels to a carbon neutral economy by 2050 is one that is both socially and economically just. So today we're joined by Mounir Satouri, Greens IFA MEP from France, who has been the lead on the European Parliament's Employment and Social Affairs Committee on the proposal for a just transition fund to finance the transition. We're pleased to welcome Jean-François Caron, Green Mayor since 2001 of Loos-en-Goële, a former coal mining town in northern France that has pioneered its own energy transition with the involvement of the local community. And we're hoping to be joined by Henrike Hahn, Greens IFA MEP from Germany and rapporteur in the Economic and Monetary Affairs Committee on the Just Transition Fund. Henrike should be joining us sometime soon. She's just having a few technical issues getting connected. So my name's Francesca, and I'll be moderating today. We'll start with some introductions from the panel, and then we'd very much like to open up the debate and put your questions to our panel. So please post your questions in the chat on Zoom or on Facebook. And just a quick technical point, interpretation is available in French and in English, and you can find that on Zoom. To begin with, a question for Mounir. Can you start by maybe telling us why it's so important that Europe learns from the past and makes the energy transition a people-centered and socially just one? Oui, d'abord, merci pour l'organisation de ce temps d'échange. Merci de m'y associer. J'ai été en effet rapporteur pour la commission emploi de la vie concernant ce nouveau fonds de transition juste, mais ça n'a pas été un travail individuel, ça a été un travail collectif. Nous étions deux rapporteurs au Parlement, Henrike et Anne, j'espère qu'elle va nous rejoindre à la commission Econ et moi-même. Et on a travaillé aussi avec les shadow rapporteurs écolos dans les différentes commissions, parce que pour nous, la transition est quelque chose de global et de systémique, et c'était important que les députés écologistes qui étaient dans les différentes commissions partagent une réflexion commune autour de ça. Pourquoi c'était important que ce travail se fasse de manière collective et pourquoi la transition doit être juste? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des territoires qui sont victimes de l'ancien modèle économique, des territoires qui se sont paupérisés au fil des années, qui ont perdu de l'emploi, avec des personnes qui n'ont pas été préparées à la transformation de l'économie, qui ont des compétences parfois obsolètes, qui ont souffert d'un manque de formation et qui ne trouvent pas d'emploi sur le lieu de travail. Et puis, c'est des territoires qui, globalement, ont été déclassés. Et pour nous, ce fonds de transition juste devait non seulement permettre à ces territoires de s'engager de manière forte dans la nouvelle économie, dans la transition économique, mais il fallait qu'on ait une approche globale de ce territoire, une approche axée sur les personnes, une approche axée sur la diversité de ce territoire pour leur permettre de se reconstruire, y compris une nouvelle identité à travers cette fonds de transition. Donc, pour la commission emploi, j'ai porté une approche assez simple finalement, c'est de dire s'il est urgent dans ces territoires de transformer l'appareil productif, il est urgent d'accompagner l'infrastructure sur ce territoire-là, parce qu'on a besoin de la vitalité de l'infrastructure sociale pour permettre cette transition et pour avoir des garanties qu'elle soit juste, et puis il faut s'intéresser aux individus. Il faut s'intéresser aux individus dans leur globalité, sur les différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Il y a la question de la qualification qui paraît assez directe, assez simple, mais aussi la question de la formation, de la mobilité, de l'emploi, de l'insertion. Et il ne faut pas s'intéresser uniquement aux personnes qui aujourd'hui travaillent, par exemple, dans une mine et risquent de perdre leur emploi dans un an ou deux, parce que ça serait réducteur comme approche.
sur ces territoires-là, depuis des décennies, des personnes sont exclues du monde du travail sans pouvoir se retrouver une place et continuer à faire société. Sur ce territoire-là, il y a des chômeurs de longue durée, il y a des jeunes, des étudiants aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail et qui ont besoin de trouver une solution en termes d'emploi. Et puis, on a besoin aussi de réconcilier les générations entre elles. Et donc, notre approche sur l'aide aux individus s'évolue la plus large possible et l'objectif était de créer une dynamique et un enrichissement mutuel. Ne s'intéresser qu'aux personnes qui travaillent aujourd'hui dans ces industries qui risquent de perdre le boulot, c'est réducteur, c'est comme si l'entreprise demain qui viendrait créer une usine de fabrication d'éoliennes n'allait recruter que les futurs chômeurs. Une entreprise a besoin d'une diversité de salariés, elle a besoin d'une diversité de compétences. Et donc, nous avons souhaité que sur l'approche individuelle, que le public soit le plus large possible. Et puis, dans ce travail que j'ai eu l'honneur de porter au sein de la commission emploi, on a aussi insisté sur la gouvernance. Si on veut que la transition industrielle réussisse, il ne faut pas que tout vienne d'en haut ou de Bruxelles ou même des capitales des États membres, mais il faut que là où le sujet se pose de la reconversion, que toutes les parties prenantes, les associations, les ONG, les élus locaux, les syndicats, les représentants des employeurs soient au cœur de la gouvernance de ce fonds, puisque c'est cette capacité d'imaginer, d'adapter et d'inventer de manière collective en proximité qui permet, de notre point de vue en tout cas, une vitalité. Et puis, on a souhaité quand même imposer 2-3 critères. Pour nous, il était hors de question que les régions, pour qu'elles puissent bénéficier du fonds de transition, leurs États ne respectent pas les engagements climat et l'accord de Paris. Il faut que la transition se fasse, il faut l'assumer que la transition doit se faire, que la transition va faire disparaître un certain nombre d'emplois, mais la transition peut aussi être une chance extraordinaire pour ce territoire-là de se réinventer, de se reconstruire une nouvelle identité qui n'est pas leur passé, ni leur identité de départ, mais qui se construise un avenir commun. Et d'ailleurs, c'était très significatif pour que j'en parle ici. Quand j'ai lu, moi, la proposition de la commission, quand on l'a reçue, la transition était présentée comme quasiment une punition. La transition va nous imposer de changer. Et en fait, dans le récit politique de l'exposé des motifs, moi, j'ai tout mis en œuvre pour présenter la transition comme une chance. Ne faisons pas comme si, jusque-là, dans ces territoires-là, tout va bien. En réalité, ça fait des dizaines d'années que des emplois se perdent, que des personnes sont exclues, n'arrivent pas à trouver un processus d'insertion, ont des problématiques sociales qui s'accumulent. Donc, l'impératif de transition écologique qu'on a là aujourd'hui pour les raisons climatiques ne crée pas des problèmes. Les difficultés dans ces territoires existent et si le fonds de transition avec les 44 milliards qu'il peut mobiliser peut venir appuyer des dynamiques locales pour que de manière systémique sa transition réussisse en permettant à des entreprises de s'installer, en permettant à des salariés de retrouver des nouvelles compétences et de l'emploi, en permettant aux questions d'emploi qui sont traitées, en permettant aux questions culturel d'être évoqué, mais je laisserai Jean-François nous dire plein de choses là-dessus. D'ailleurs, Jean-François fait partie des personnes que j'ai tenu à consulter avant qu'on commence le travail d'écriture, parce que nous enrichir du point de vue des ONG, des acteurs locaux, était pour moi quelque chose d'essentiel. Bon, j'en reste là et je répondrai à d'autres questions futures. Okay, thanks very much, Munir. Lots of stuff to talk about, and I encourage again those who are following online to submit questions and to contribute to the discussion as well. So Jean-François Caron, could you start by maybe sharing your experience of the transition on the ground in Loos-en-Goël and how it was possible and how you could ensure, as Munir was saying, that involvement of community and all the different stakeholders in the process? Pardon, merci. Alors, en quelques minutes rapidement, pour dire que ma commune est dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, tout en haut de la France, qu'il y avait 7 puits de mine sur la commune,
Et pour vous donner un ordre de grandeur des difficultés à affronter, le sol de la commune a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers. Et donc, ça pose des questions de fracturation des réseaux d'eau, de destruction de l'habitat. Et donc, on a de multiples problèmes en entrée systémique, c'est-à-dire des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, des problèmes économiques, mais peut-être surtout dans la continuité de ce qui vient d'être dit, des problèmes de repères culturels, de à quoi on sert, de quoi, sur quoi s'appuyer, puisqu'en fait, on a toujours été pensé comme étant des bras pour la mine et que la question de nos propres compétences n'était presque pas posée. Bon. Alors, du coup, l'histoire de Los Angeles, en fait, c'est un arrêt brutal du charbon et il n'y avait pas de vision. Souvent, on parle des projets de territoire. Moi, je suis un peu expert de ces questions-là. J'ai été élu au conseil régional et au niveau national. Quand tout s'arrête, on a un énorme problème de projection et on a un énorme problème personnel, intime, de se sentir déclassé par rapport aux exigences du siècle qui va arriver, où il va falloir parler plusieurs langues, aller sur le digital, être réactif, ce qui n'est pas dans la culture de ces territoires-là, et j'en connais beaucoup puisque j'ai travaillé à mettre en réseau les bassins miniers dans le monde, on a à peu près toujours ces mécanismes-là. C'est pour ça que le début de la reconversion de l'os a été fait à partir d'un travail sur un projet de ville, donc d'un diagnostic, d'une analyse de nos forces et de nos faiblesses, mais d'emblée, profondément, avec les acteurs, avec la population. Parce que, en fait, le changement de modèle auquel on était confronté, mais ce qu'on a vécu il y a 25 ans, c'est ce que vit la société aujourd'hui par rapport au problème du dérèglement climatique, par exemple, c'est ce qu'on vit, c'est à la fois un profond changement d'imaginaire, profond changement de référentiel, si on peut dire, sur ce qu'on va appeler la question du développement. On était passé d'un univers très productiviste et pour passer à un univers complètement alternatif. Donc, c'est des questions de culturelles, d'évolution culturelle. Et admettons même qu'on ait une vision du nouveau modèle de développement qui est devant nous, ça va passer par des stratégies de conduite de changement à l'interne. Et on sait bien que la conduite de changement, c'est compliqué. C'est compliqué dans l'entreprise, c'est compliqué partout. Ça va faire appel à la question des neurosciences, à la question de l'ensemble des inerties. Enfin, ce n'est pas si simple que ça de changer. Et ça prend du temps. On dit en général que ça prend une génération. Donc, du coup, nous, à Los Angeles, on a travaillé d'abord sur un projet de ville, puis sur des expérimentations, puis sur de la généralisation d'innovations qui font qu'aujourd'hui, en France, on est souvent considéré comme une référence de transition parce qu'il y a des résultats dans tous les champs. Je n'ai pas le temps de vous décrire tout ça, mais parce que ça s'est fait avec la population. Et ça a commencé par la réflexion sur un projet de ville. Et donc, d'emblée, on a posé que la question de l'implication habitante était majeure et que la question du récit, comme ça vient d'être dit par Mounir, elle était stratégique. C'est-à-dire, de quoi on est héritier? C'est quoi notre système de valeurs? Sur quoi on peut s'appuyer? La solidarité, le courage, le sens du travail, le sens de la fête, tout ça, ça nous fonde. En plus, dans nos bassins, les gens qui sont là, ils sont venus d'Afrique du Nord, ils sont venus de Pologne, ils sont venus de Tchéquie, de différents bassins, il y a de ça un siècle. Et ce qui nous a unis, c'est le charbon. Et si on ne travaille pas la question de la mémoire collective, c'est comme si on demandait aux gens de renier leur propre histoire, de renier leurs propres parents. Et donc ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas se reconstruire en se reniant. Donc on a fait tout un travail de mémoire collective, des sons et lumières, travail de récit multiforme qui nous a permis de nous reconnecter à nous-mêmes. À partir de là, les pas de côté ont été faits par des individus. Ça passe par des leaderships individuels, collectifs, mais ce n'est pas les organisations qui font les pas de côté. C'est des pionniers qui, à un moment donné, ont commencé à installer une nouvelle vision. Et les quatre piliers de l'action de Los Angeles sont assez simples. Le premier, c'est tout est en processus de co-construction, co-design. Donc, l'implication des habitants et des acteurs économiques, par exemple, c'est à la fois porteur d'intelligence collective et de créativité, c'est porteur d'efficacité parce que quand on a produit un projet, ben, il est beaucoup plus percutant. Et troisièmement, ça transforme les gens, ce qu'on appelle l'empowerment, de la capacitation qui va transformer les habitants. Deuxième pilier, c'est
Si on veut attraper la question de la transition et de la durabilité, il va falloir croiser en permanence l'environnement, l'économie et le social. Et donc, c'est des nouveaux processus de transversalité et de coopération. Ça veut dire des nouveaux modes d'organigramme, des nouveaux modes de management pour attraper la question du site systémique. Troisièmement, si on veut aller vers une transition vers un nouveau modèle, alors il va falloir inventer, innover. Et or, une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc, c'est quoi créer les conditions de la désobéissance? C'est quoi accompagner un processus de capacité collective à innover? On pourra en revenir si vous y voulez, si vous le voulez. Et quatrième pilier, j'arrêterai là-dessus, c'est que pour moi, il y a besoin d'une poétique, pardonnez-moi ce terme peut-être un peu décalé dans le siège, enfin au niveau de la commission, mais la poétique du changement, pour moi, c'est l'histoire de l'étoile et des cailloux blancs. C'est-à-dire de poser que la transition, ce n'est pas une contrainte, une morale, c'est quelque chose, c'est l'entrée par le désir. L'étoile qui est dans le ciel, elle nous donne envie, elle nous donne envie de la rejoindre, elle brille et elle nous met en désir. Or, le désir, c'est de l'énergie. Et donc, pour moi, la transition se construit par le désir. Mais si on ne peut pas aller à l'étoile, alors ça déclenche de la frustration, de la colère, de la sidération. Et donc, il faut des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Si je prends juste un exemple pour conclure, Los Angeles, aujourd'hui, est en situation de devenir la première ville de France intégralement couverte par le solaire, par les capteurs solaires. Donc, notre étoile, c'est tout au nord de la France, donc pas dans les zones ensoleillées. Eh bien, nous pourrions être revanche de l'histoire. Nous étions les produits du charbon, nous pourrions être la ville solaire. Mais le premier caillou blanc, c'était une centrale au pied de nos terris. Le deuxième caillou blanc, c'est l'église qu'on a fait en solaire avec la population. Le troisième caillou blanc, c'est l'ensemble des bâtiments municipaux. Et comme on a de la participation habitante et que les gens mettent de l'épargne, on a trop d'argent, aussi incroyable que ça puisse paraître, et on est en train de chercher toutes les toitures privées que les habitants nous donnent pour qu'on puisse les couvrir. Donc, l'étoile et les cailloux blancs, c'est ce qui permet de tenir le long terme et le court terme. Le rêve, on a besoin de rêve pour la transformation, on a besoin d'une utopie mobilisatrice, et les cailloux blancs, c'est le concret, c'est la preuve, c'est le réel. Et par ces mécanismes-là, en 25 ans, on a eu un certain nombre de résultats assez étonnants. Et la conclusion, c'est que ça passe par la mise en mouvement, partir des acteurs, la mise en mouvement des acteurs, et que la question culturelle, au sens global, est absolument stratégique. Hey, thanks very much, Jean-François. It's a really nice image of the sort of poetic aspects. It's really nice. So just to summarize a little bit before Henrique steps in. So Munir talked about the infrastructure for transition, how the economic and social aspects are both really important, and the fact that the whole community needs to be involved, not just those workers from the former mining towns, but all aspects of the community. And it's also about upskilling and reskilling people. And Jean-François has spoken about the inclusion of the community again, and the four pillars, so the idea of co-design, sustainability, environment, and this innovative aspect, and also the transition being based on solar energy as well. Henrique, you're with us now. So Henrique, could you begin by telling us about the industrial side of the transition? What are the main opportunities for job creation and for local economies, and in which sectors you see the biggest potential? Yes, thank you very much for the interesting question. And even if we had technical problems, I'm very glad that I'm here finally. But of course, I know your thoughts, Munir, because we work together very closely on the Just Transition Fund. And I've also heard in part the last words of my predecessor, and I'm very glad that we're here talking about this very important topic. So I think you underlined a little the importance of this project we work on the context of the Green Deal, I assume. And I think we have to take into account that the European support provided through the Just Transition Fund goes to regions in Europe which are in the backseat of the ecological transition.
So these regions are typically currently dependent on one or a few companies carrying out coal mining, coal-based power production, and companies performing industrial activities based on very polluting fossil fuels. So of course, these kind of industrial activities cause problems for the health of the local population and the environment, and as well for the competitiveness of the economy in the regions, because these dinosaur industrial activities are no longer environmentally economically viable. So these regions must find their own ecological transition path with the support of the European Union. And of course, there's no one size fits it all method, but there are some sectors which can revitalize these regions by creating long-term sustainable skilled jobs and improve the quality of life in these regions. One of the sectors are, of course, the renewable energies, one of our core issues for the Greens, right? We work on, because there's so much chances in it. And to sum it up in a short phrase, to put energy in renewables is much smarter than to put efforts in coal. Renewables can create more jobs than coal does today in coal regions. So serious studies like from the Joint Research Center point to the fact that coal regions, for instance, have the potential to supply 60% of the renewable energy production needed to meet the EU climate neutrality objectives by 2050. And according to the findings of the Joint Research Center, the same research center as I mentioned before, by 2030, up to 315,000 jobs can be created in coal regions by deploying clean energy technologies, increasing to more than 460,000 jobs by 2050. So all these figures show the potential for jobs in that region and focusing on renewable energies. And this would be more than twice the current amount of direct coal-related activity jobs. So in particular, the reconversion of former mine sites to renewable energy generation and construction of renewable energy infrastructure in such sites or neighboring areas can provide green jobs to post-mining communities. And what we can also see, what is very important for us Greens, of course, is that it boosts, that it's clearly a democracy booster in the energy transition process as well. So this is something that is always important for us Greens, right? To involve the stakeholders and the people who are concerned with that. And the shift from coal-based regional economies and energy systems to renewable energy can enable local communities to become active participants in and owners of the energy transition and move from a single to a multi-industry model. So of course, we also have to say that not all regions in transition have a great renewable energy potential and can't fully replace their energy production capacity from coal with renewable energies. But we have regions with limited technical renewable energy deployment that can use energy produced in the neighboring territories of the same country. So let me cite you an example. So in Poland, for instance, the Baltic coast may become an offshore wind hub within the next two decades, supplying the whole country with one third of the energy produced with coal today. So coal regions with limited renewable energy deployment potential could become leaders in the manufacturing of green technologies, such as windmills or batteries. And so of course, we can see the Just Transition Fund is an important step in an ecological social transformation process in Europe in the light of the Green Deal. So we have the first legislative file we worked on now in the context of the Green Deal with the Just Transition Fund. And that was very important to find out from Munir and me as well, to find the group's perspective here, if they're willing to implement the Green Deal, because it is such an important aspect we are working on. We want to leave no one behind, and now we have the chance to show it with our work on the Just Transition Fund. Thank you. Thanks, Henrika. Maybe I could just ask both you and Munir
having outlined the green priorities in the file, if you could maybe just highlight some of the green kind of wins in committee that you were able to secure in both EMPL and in ECON. So maybe Munir, you could start. Je n'ai pas tout entendu, j'ai eu un problème de son. La question, c'est... Est-ce que tu peux me rappeler la question? Parce que j'ai un problème de son, je ne l'ai pas entendu. I will repeat the question. It was to see if you could outline some of the concrete sort of green wins, successes that you had in committee when negotiating the Just Transition file. So just to give some examples of those elements. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure rapidement. Ce qui était pour nous, et c'est un débat qu'on a beaucoup partagé entre écolos, et on en a parlé longuement, entre autres avec Enrique, ce qui était pour nous essentiel dans la vision sociale de ce fonds se retrouve dans l'article 4. La Commission proposait que ce fonds ait pour objectif de financer l'appareil productif, la transformation de l'appareil productif. Moi, je n'ai aucun problème avec ça et il faut qu'il y ait du développement économique, de l'implantation de nouvelles économies. Mais on a estimé que ça ne suffirait pas et donc j'ai proposé, et ça a été adopté par la Commission, une articulation autour de trois axes, l'investissement économique, la transformation de l'appareil productif, donc l'infrastructure sociale, c'est ce qui, de notre point de vue, peut permettre de mobiliser tout le territoire, et l'aide aux individus. Parce que si on ne s'intéresse pas aux individus, à leur parcours, à leurs difficultés, à leurs qualifications, à leurs besoins de mobilité, de garde d'enfants, d'amélioration des conditions de logement, pour nous, on ne réussira pas la transition. Donc, cette lecture de l'utilisation du fonds selon trois axes importants qui se complètent qui vont dans le sens de l'accélération de sa transition, a été adoptée au sein de l'article 4. Il y a aussi l'impératif du respect des conditionnalités, une double conditionnalité. J'ai parlé tout à l'heure que dans le texte de la Commission emploi, les États doivent respecter les engagements climatiques et durables et des accords de Paris, mais aussi les entreprises, quand elles bénéficient de l'aide du fonds, doivent rester 5 ans minimum sur le territoire, parce que l'idée, c'est d'empêcher l'effet d'aubaine, l'opportunité de financement, mais favoriser l'implantation au niveau local d'un tissu économique. Et la question de la gouvernance, Enrique en a parlé, Jean-François aussi, dans la proposition, dans le texte voté à la Commission emploi, la gouvernance est ouverte avec on dit dans le texte qu'au niveau régional, au niveau territorial, la capacité d'innovation, d'imagination, de créativité doit être plus grande et doit participer à cette élaboration les collectivités, les ONG, les associations, les syndicats, le corps social dans sa globalité, parce qu'il faut que cette transition fasse système. Tout ça est dans le texte. Et maintenant, le processus législatif va être long, puisque le vote final, la commission mère phare de ce fonds, c'est la commission régie. On va voir comment la commission régie va intégrer des propositions qui viennent des autres commissions. Et une fois que la commission régie aura finalisé son texte, il y aura un vote en septembre en séance plénière. Et après, s'ouvrira un débat dans le cadre du trilogue avec la commission et les représentants des États membres. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que parmi les rapporteurs des différentes commissions, il y a deux écolos, Enrique, Anne et moi-même. Nous participerons aux discussions au moment du trilogue et nous ferons en sorte de porter ce en quoi on croit. Vous le savez, un certain nombre de groupes ont réintégré le gaz comme une énergie intermédiaire pour favoriser la transition. Moi, j'ai trouvé, je l'aurais dit hein, aux autres rapporteurs des autres groupes, en réalité, vous croyez bien faire, mais vous ne faites que répondre aux injonctions des lobbies du gaz. Vous êtes en train de priver ces territoires-là d'une chance extraordinaire. L'objectif est de projeter ces territoires-là dans l'avenir. La domination dans les territoires miniers, la domination de la mine, Jean-François le disait, nous étions des bras pour la mine.
à empêcher une diversité d'implantation d'entreprises, de parcours, et à empêcher la multiplicité des compétences. Et en remettant le gaz comme une énergie intermédiaire, vous ne permettez pas que tous les moyens financiers aillent vers l'innovation, vers les énergies renouvelables, vers l'isolation thermique des bâtiments. Et en fait, vous travaillez à l'encontre de vos territoires. Et quand c'est des députés issus des pays de l'Est où des régions sont à domination minière, moi, je ne comprends pas que quand on est représenté du peuple, on écoute plus les lobbies que les intérêts de ces territoires. Et le combat n'est pas fini parce que la position, pour une fois, des États membres sur le gaz n'est pas forcément la position des groupes majoritaires au Parlement européen. La position de la Commission est aussi nuancée. Et ben moi, je compte avec Enrique, les deux rapporteurs écolos, aller dire ce qu'on pense de ce que doit être la transition pour ces territoires. Ces territoires ont suffisamment souffert pour que ce plan, entre autres, les aide à se projeter de manière déterminée dans l'avenir et qu'on ne continue pas à leur faire cette injonction de rester dans le passé et de continuer à être la vache à lait des lobbies et des énergies du passé. Henrique, did you want to come in here at this point? Yeah, we have some questions from the audience. Maybe we start with your intervention, and then I'll put some questions to you from the audience. Yes, thank you. I can tell a little about my work as rapporteur in the ECON committee and as green shadow in the ITRIC committee on the Just Transition Fund. And Munir, he was summing it up in a really good way. The central issues we also had in ECON and in ITRE. So just to tell you, both committees have adopted their opinions already. Most of the other opinion committees are delivering that suggestions, means like the ball will be soon in the court of the RIGI committee, the leading committee, and now we hope to influence the RIGI committee opinion as well when they look at our opinions too. And the vote will take place before the summer break, and then we will go in the trilogue. And I can tell, for example, as in the ECON committee, we had a broad majority on our opinion, and that is a really strong hand we have now for the green position, hopefully, to get in there with Munir together and to spell out what our visions are. And I think we can really tell, as Munir said as well, that the central issue was for us, of course, will be nuclear and gas financed, right, with tax money. And what also was very important can be before refer to the taxonomy. So that was also a real struggle and discussion we had. But I'm very glad that in the ECON committee, we have a strong position found here. We excluded nuclear, and for gas, we found a solution. And they all know that we stick, that we Greens have a very specific perspective here. So, but indeed, we found a solution. And I think in the ITRIC committee, we couldn't go so far as a shadow, because we had a very strong position of the gas lobby here that was implemented. And I think, you know, when you come as a newly elected member to the parliament and as a Green, you are so enthusiastic, right, to fight for the Green Deal and all the perspectives. And I think now the coming months and years will show if the other groups are really willing to implement the Green Deal, and we will strongly fight for that. Of course, we have a very good position here and the public behind us, right? So, but this is something I would tell you. And I think with my work on this Just Transition Fund, I was pursuing two main priorities. First, I wanted to make sure that the fund empowers public authorities and communities to define together solid long-term sustainability visions for their territories, because always you can, you know, people who
who are affected by measures, right, they also have to participate on the discussion, to take part in the decisions. That is very, very important. And that's inherent to the democracy principle, but also for the well-being of the people in the regions. It's very, very important. And it's also part of the strategy, right, that it's supported, you know, this transformation process has to be supported by the public in the regions. And that's the only way to do it, to take part in these decisions, and that's the best way for all of us. And ECON and ITRE committees recommended a strong stakeholder engagement in the preparation and implementation of the transition plans. So that was a success we had. And importantly, the ECON committee recommends that these plans outline a clear decarbonization pathway and a progressive phase out of fossil fuels. So that was also a pretty important point we have here. And it's very important to make sure that the money available for economic activities from this fund is used very wisely to maximize the benefits for the people and local communities. And we want an economy that serves the people, right? This is a core value we have, we fight for in the parliament. And I think this is really spelled out with that hint. And first of all, it's important not to use the fund to support activities that private companies should or could finance on their own, like the depollution of coal mining sites, for instance. And second, it is important to finance projects which bring local skilled green jobs to the people and give them the perspective of a green future. And both points have been highlighted in the opinions of the ECON and ITRE committees, and I'm glad about it, of course, because that was important for my work. And even if the ITRE committee opinion makes an exception for gas, we still have to fight for that and to push the progressive forces we have in the parliament, but we will continue that to do that and to discuss. And as said before, the sectors in which investment should be directed as a priority, in my opinion, are renewable energies, helping to turn regions in transition into green hubs. So that's a little sum up of what we were going through. And I think I'm looking forward to our work, and we need your green force as well. I count on it, and I'm looking forward to the following. Thanks. Thanks, Henrike. So we have a question from Guillaume Fien, and he asks, to what extent will the more vulnerable segments of the population, described by Jean-François Caron, benefit from the EU and Member States' COVID recovery financing plans, and whether there will be any trickle-down working in practice? And more generally, how in practice can social development be tackled through an ever-increasing financial system? Maybe Jean-François Caron would like to go first on that question. Henrike. Ce n'est pas facile pour moi de répondre sur le plan de relance, puisque je ne connais pas et je pense que c'est plutôt aux députés européens d'y répondre. Okay. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, venir plaquer des réponses alors que la population n'est pas en capacité de s'en saisir, par exemple, pour des niveaux de formation, c'est se donner bonne conscience, mais ne pas créer les conditions d'une réinsertion. Je vais prendre un exemple tout simple. Moi, je suis dans mon secteur du bassin minier qui est très industrialisé. Il reste beaucoup d'agriculture en péri-urbanisation. Bon. Sur la commune de Los Angeles, parce que depuis 20 ans, on a une stratégie d'alimentation locale et d'alimentation bio, on a aujourd'hui basculé 300 hectares en agriculture biologique et en circuit court, et ça a créé 25 emplois. Bon, il y a une petite limite, c'est qu'au mois de janvier, au mois de février, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a des endives, mais donc il y a un peu de saisonnalité. Mais 25 emplois pour des gens qui n'ont pas de diplôme. Et ça, c'est directement utilisable. Et ça, ce n'est pas des sujets auxquels on pense quand on dit réindustrialisation des grands bassins miniers, alors que là, on a de l'efficacité immédiate.
Par contre, dans un autre domaine, je préside une structure sur le bâtiment durable où on a un pôle d'excellence, un pôle de compétitivité. Et actuellement, on est en train de transformer l'habitat minier en isolation thermique à partir de la filière du chanvre. Le chanvre est un isolant extrêmement intéressant. Donc, il y a l'émergence d'une filière industrielle à partir de la production agricole et de la transformation. Et le logement minier, c'est 70 000 logements. Donc, il y a un potentiel de développement extrêmement important pour structurer une filière. Et de l'autre côté, on recrute dans le bâtiment. Et ça, pour le coup, c'est directement utilisable aussi. Il y a des jeunes de ma commune qui passent un bac éco-construction, construction bois, et qui vont trouver leur place. Donc, alors que d'autres types de stratégies de relance, elles sont mises en place, mais on n'est pas en capacité de s'en saisir. Voilà. Donc, moi, j'insiste sur le fait qu'il faut se poser la question de publics qui sont souvent décrochés et qu'il doit certes y avoir de l'innovation high-tech. Et dans ma commune, il y en a. Hein. J'ai cité la structure que je préside. Il y a 25 ingénieurs très high-tech. Il y a un Australien, il y a un Iranien. Bon, il nous faut ça aussi parce qu'on ne peut pas être que des territoires de second rang. Mais attention à ce que les structures, les stratégies de relance soient accessibles pour des publics qui, sinon, vont regarder passer les emplois, vont voir des gens venant d'ailleurs les prendre, et eux se réfugieront dans une espèce de relégation dans lequel, après, ils ne sont pas si mal que ça, hein, c'est-à-dire que ça devient de la ghettoisation. Voilà, donc il faut vraiment que ce soit adapté à des publics qui sont eux-mêmes en transition individuelle et personnelle. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la question de la formation, elle est centrale. Elle est vraiment centrale. Parce que ce n'est pas parce qu'on passe du charbon à l'éolienne que celui qui était bon sur le charbon sait faire des éoliennes. Ça, il y a vraiment un travail à cet endroit-là. Je m'arrête là. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jean-François. Je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur la gouvernance et la place des acteurs pour que la transition ne soit pas quelque chose de décidé d'ailleurs, qui ne soit pas adapté au territoire, mais que l'espace pour l'expérimentation et l'imagination et le fait de faire avec les gens et leur état et là où ils en sont, c'est important. Donc, cette notion figure, comment est-ce qu'elle va être déployée et comment poursuivre nos discussions pour la mise en œuvre finale, on va encore être un peu vigilant. Sur la question sociale, Enrique pourra répondre de manière précise ce que la commission Econ a suivi, les histoires de plan de relance. Ce qui est certain, c'est que malgré tout, on a vu face à cette crise du Covid, l'Europe se mobiliser, même si ça a été un peu tardif et qu'au début il y a une petite cacophonie, en tout cas se mobiliser pour pouvoir en termes de mobilisation d'argent être aux côtés des États et des territoires dans cette crise. Il y a de l'argent qui va arriver, mais comme la question sociale n'est pas une question européenne, beaucoup de place sera donnée aux États membres et à leur bon vouloir et de mobilisation. Est-ce que ça va arriver vite et au plus proche du terrain pour répondre à des besoins urgents? Moi, personnellement, j'ai un doute. Moi, je pense que cette crise du Covid doit nous interroger sur les compétences européennes. L'Europe a été si attendue sur la question sanitaire, médicale et sociale, mais en même temps absente parce que ce n'est pas une compétence propre de l'Union européenne. Et je pense que le nouvel acte européen, si demain on doit rediscuter de la construction européenne, il y a des sujets sur lesquels on a besoin que les compétences européennes soient plus grandes parce qu'on a besoin d'être ensemble pour faire face aux défis du moment. Et on parle souvent, et de mon point de vue, moi qui suis un Européen convaincu, de l'Europe comme la grande absence sur ce sujet. Mais en fait, la crise qu'on vit, ce n'est pas une crise de l'Europe, c'est une crise des égoïsmes des États-nations. Un certain nombre de décisions n'arrivent pas parce qu'il faut l'unanimité des États et que certains États européens bloquent. La question de la solidarité face à la dette, la question de la mobilisation financière pour pouvoir être aux côtés, si des choses aujourd'hui ne se décident pas, ce n'est pas à cause de l'Europe. C'est parce que les États-nations sont dans un égoïsme
qui fait qu'ils ne veulent pas tout mettre en commun. Et donc, la question sur quelle Europe on veut et de quelle Europe on a besoin pour faire face aux défis importants, c'est aussi un vrai sujet dont on doit se ressaisir, nous qui sommes les citoyens de cet espace. J'ai terminé. Henrique? I agree, of course, that the COVID crisis affects the most vulnerable people in Europe, right? The people with no or a low income, or women in general, or, you know, you can spell it out much more than that. And so I'm very glad, I have to say, like in the first draft we had in the Econ Committee of the Just Transition Fund, I asked for a higher amount of budget we have for the transition fund, because the commission suggested 7.5 billion and I asked for 30 billion, and now we have an amount of 40 billion. And of course you could say or declare it as peanuts, but on the other hand, I think it's a very strong signal we have here that the European Union is really shoulder on shoulder with the people in the regions who need help, and that this transformation process, this ecological transformation process, for the sake of the people in Europe, also has to take into account the very specific situations in the regions. And I think it's a very important fact as well that we not only work with conditionality when we distribute or invest money, right? It's not conditionality only, it's also incentives, right? That we really see the positive perspective in long-term view, also what job creation potential has. And in the discussions on the file, we were arguing, you know, on words like what kind of jobs we want to promote, right? Is it a job that a high level job? We were discussing that in our shadow meetings. Yeah, what is high level job? Because we really wanted that all kind of jobs can be affected, all kind of education can be implemented here to get a good job in a long term perspective as well. So I can really follow that question at the very beginning, that is very, very important that we take into account the people's situation in the regions, that we found also solutions on a European level, not only on the national level, because otherwise the gap of the society is deepening much, much more, because actually the money we distribute at the moment is especially distributed on the national level, not on the European level, but we have to work together on the national level. The national governments have to work much more in a European perspective, right? Because we all belong together, not only on a political perspective, but also on an economic perspective, right? And I think in this regard, the Just Transition Fund is a very good tool we find at the very beginning of this period, implementing the Green Deal, to work together on a European level. And I really hope that this will continue also in the other legislative files we will work on from a green perspective. Thank you. So we have another question now from JC Laplace. And he asks, asks, what do you propose in Poland, where about 100,000 people are still working in mines with hard and dangerous work, but paid twice as much as the average wage and a pension after 25 years? What kind of reconversion is possible there? And it's a question to all panelists. C'est à la fois difficile de répondre, mais je ne sais même pas si je dois y répondre. Moi, j'ai défendu une vision du plan transition juste où on n'impose pas par le haut et à partir de Bruxelles ou de Strasbourg au territoire le modèle de transition. Donc, ce qui est sûr, c'est que la Pologne, mais aussi d'autres pays de l'Est, où il y a une place importante pour beaucoup d'employés dans les mines, ce plan au départ est imaginé pour aider ces régions-là, et les moyens qui seront consacrés à la Pologne seront plus importants qu'ailleurs.
parce que l'effort et l'impératif de la transition sera plus grand, mais il appartiendra à ces territoires et à leurs acteurs de définir les priorités, les pistes. Et en toute état de cause, au début, on nous parlait d'un fonds de transition de 7 milliards. Enrique a beaucoup travaillé pour que ce plan soit plus important. Finalement, la réponse de la Commission était au-delà des demandes qu'on avait, et c'est une bonne chose. Donc, il y aura les moyens disponibles pour cette transition, mais je ne crois pas que ce soit à nous de l'imaginer, mais plutôt à renforcer la participation et le travail local pour que ça fasse sens pour les populations et pour les territoires. Peut-être un mot pour dire que la question qui est posée pour la Pologne, elle est posée depuis un demi-siècle pour tous les bassins miniers qui arrivent progressivement en fin de vie. Vous avez la même chose dans les Asturies en Espagne, vous l'aviez dans le Pays de Galles et le nord de l'Angleterre, vous l'avez, enfin, on l'a partout. Chez nous, on a perdu 220 000 emplois de mineurs, donc c'est considérable. Et là, on est sur des questions qui sont à la fois de transformer les compétences des habitants, de faire apparaître des nouveaux secteurs d'activité. Donc, il y a, par exemple, pour nous, dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, il y a 50 ans, c'était le plein boom de l'automobile. Et il y a eu une stratégie de réindustrialisation sur le secteur automobile. Aujourd'hui, c'est des nouveaux secteurs qui apparaissent et qui doivent bénéficier à la fois d'un désir local, qui doivent bénéficier d'une stratégie de transformation des compétences et des postures, et qui doit bénéficier d'une aide, d'où l'intérêt des fonds européens. Enfin, moi, dans mon territoire, j'ai beaucoup bénéficié des fonds européens. La structure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est sur les éco-activités, analyse en cycle de vie des produits, éco-matériaux, nouvelles filières de matériaux, donc c'est du lourd, hein, c'est pas anecdotique. On a beaucoup bénéficié de financements européens en matière d'innovation, de recherche, et d'accompagnement au process industriel. Donc, je dirais que c'est à la fois des stratégies locales de changer les choix et de se donner des objectifs. Et là, ça va dépendre évidemment des caractéristiques du territoire et de la période. Et on voit bien actuellement qu'on ne ferait pas la même chose sur l'automobile. Mais par contre, par exemple, on peut le faire sur les transports ferroviaires. Enfin, dans notre région, on a beaucoup investi sur le ferroviaire et les transports publics parce que ça mobilise des savoir-faire industriels qui était dans la compétence de nos territoires. Il y avait beaucoup de formations. Voilà, donc ça se discute localement, ça se fait aider au niveau national et au niveau international, et c'est un travail de longue haleine. Par contre, plus on repousse cet exercice-là, plus, et ça, moi, je l'ai vécu, plus on croit qu'on va continuer à ouvrir et à faire fonctionner les mines, moins on investit dans la transformation. Et le jour où tout s'arrête, on a le risque majeur de dire, ben voilà, l'histoire de demain, ce n'est pas pour nous, on est trop décroché, on est trop loin. Et donc, il y a ce travail de responsabilité aussi des élus locaux. Or, les élus locaux, ils sont élus par les mineurs. Et les mineurs, ils veulent qu'on continue la mine. Et là, on est dans un problème de courage politique et de pratique démocratique. Mais c'est vieux comme l'histoire des bassins industriels, la question sur la Pologne. Moi, j'ai passé ma vie dans des réseaux européens. J'ai beaucoup travaillé avec le nord de la Grèce, par exemple, qui est confronté aux mines de lignite. C'est un maire écologiste à Kozani qui est maire là-bas. Et voilà, on veut jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Puis quand ça s'arrête, on sombre dans le vide. Henrique, would you like yes. to Yeah, thanks. Coming back to the question of Poland, of course, this is not a question that is easy and quick to answer, because actually a transformation process for that region is a long process, of course, and it must be a bottom-up process, and what we actually need there is technical assistance, advice, information from the European Union. And yesterday, the Just Transition Platform was opened by the
European Commission. I was in the panel there discussing with the three commissioners and other experts in that regard. And I think that is a very good tool to provide information to all the stakeholders, right? That they really can, that they really have someone to ask for how to handle that situation, how to use this just transition fund to their purpose. And I think, of course, in Poland, and this is also what we experience in our committee work now on the opinion, what certainly has no sense is to invest now again in gas infrastructure, right? It's a so-called bridging technology, because for us it is, these are stranded assets. This is one aspect, it's the economic aspect, but on the other hand, for the future in a long-term perspective, we all know that the only thing that is worth and that is, you know, how you can save money as well, right, is to invest in climate protection, because there's nothing more that costs more, that is more expensive, not to take into account that we really have to take care of it right now. So in a long-term perspective, we really have to transform the economy, and the Just Transition Fund, I think, is a very good tool now to put into minds of the people that it's an ecological process that has to be implemented in a social way. And I think we just started the way to, with the Just Transition Fund to do what we have to do here on a European level to take into account the people's perspective, right, who have to live with it, who have an affection on their everyday life with that transformation process we intend to and we have to do, because the climate and the nature we really have to protect. But I'm very glad and I'm very happy that we can do that as in the European Parliament as Greens or at the local level, like we heard today. Thank you very much for that perspective as well. And we put all our energy in it. Thank you. Thank you. So we're pretty much at the end now. I think we've the time has passed really quickly, but we're running out of time now. So I would just say perhaps to each of the speakers, if you could give just a very short, say 1 minute kind of political statement summary of how we can, taking into account all the things that we've discussed, how to make the just transition a success going forward. So Henrika, maybe as you have the floor, if you'd like to start. Oui, Enrique, ton micro est éteint. Okay. It's okay. Thanks. How can we make this transformation process a success? I think we have a good chance to work on it in the European Parliament if we take into account that the Green Deal has to be in the core of all our legislative work. We really have to hurry up as well, because especially in the industry perspective, the decisions we take right now at the moment in the following years will have consequences for decades, and the decarbonization of the industry is a very important point, but we definitely do have into account the people's sake, right, who have to live with that transformation process, who are affected by that, their health is affected, their jobs is affected, their whole life. And so this transformation process has to take place not only economically but also socially, and this is what the Just Transition Fund is for, to leave no one behind. And from a green perspective, we will fight for it with all our forces and energy. Thank you. And to Munir. Oui, d'abord, le fonds de transition juste n'est qu'un outil qui s'adresse à des régions particulières qui ont besoin qu'on renforce l'intervention publique européenne pour qu'elles réussissent la transition. On ne peut pas attendre que le fonds de transition juste avec 40 milliards change tout quand les plans de relance de centaines de milliards continuent à financer le vieux monde. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de parler du Green Deal et de l'impératif pour l'Union européenne d'accélérer la transformation de l'économie. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que cet impératif de transformation de l'économie
doit s'accompagner par une réponse sociale et doit s'adresser aux personnes et transformer la réalité du quotidien des gens. C'est avec les personnes et les territoires qu'on réussira cette transition. Donc, moi, je souhaite que ce qu'on a dit sur la gouvernance, la place à l'expérimentation, à l'imagination, soit au cœur du dispositif. Je ne veux pas qu'on alourdisse ce dispositif par trop de procédures administratives, parce que je préfère que les territoires s'intéressent et se préoccupent de l'essentiel. Et puis, je pense qu'on doit apprendre les uns des autres. Moi, à chaque fois que j'entends Jean-François Caron parler de son expérience qui mène depuis de longues années, c'est toujours un plaisir pour moi d'entendre Jean-François. Je souhaite qu'on renforce et qu'on aide à la mise en place d'un réseau des territoires en transition, parce que vous avez, vous les pionniers, Jean-François, du tout inventé à prendre. Je pense qu'on peut faire économiser du temps en termes de méthodes, en termes de process à d'autres territoires. Et donc, si l'Europe peut aider et financer, je le dis, parce que tout ça, ça ne se fait pas sans moyens, à ce qu'il y ait un réseau des territoires en transition qui se coordonne, qui permet de transférer de l'expérience, de mutualiser des méthodes et des savoir-faire, je pense que ça peut être une bonne nouvelle en tout état de cause. Il faut qu'il y ait les moyens, il faut que les forces vives d'un territoire puissent inventer et proposer. Et nous, on sera, durant tout ce processus législatif, vigilants et regardons à ce que ça aille dans le bon sens. Et j'espère que la copie qui sortira du trilogue sera bien, bien meilleure que celle qui sera adoptée au mois de septembre au Parlement européen. Thank you, Munir and Henrique. And any last final sort of words from Jean-François Caron? Oui, une minute pour dire que, enfin, moi-même, je lui ai dit en privé, je suis très très impressionné de comment Munir Satouri s'est approprié un certain nombre de choses qu'on a dites, et que pour moi, bien sûr, il y a des questions de formation basique, il y a des questions d'outils industriels, il y a tout ça. Mais d'abord, c'est un problème de changement d'imaginaire. C'est un problème de représentation de ce que c'est que le travail, de ce que c'est que le développement, et que donc tout ce qui est mécanisme culturel, tout ce qui est mécanisme qui va permettre à aider à changer les représentations au sens sociologique du terme, c'est extrêmement important. C'est vrai pour les élus qui restent dans une logique canal historique, il faut bien dire ce qui est. Tous les élus miniers d'Europe sont canal historique. Ils restent extrêmement résistants à ces transformations. Et donc, eux-mêmes, ils sont en difficulté, mais c'est vrai aussi de leur population. Et donc, pour ça, les entrées par le culturel, les entrées par les aides à la gouvernance ascendante, elles sont extrêmement intéressantes. Les aides aux expérimentations décalées, elles sont extrêmement intéressantes. Je suis devenu président national en France d'une structure qui s'appelle la Fabrique des Transitions, dont le principe, c'est de créer une communauté apprenante. C'est-à-dire que c'est dans le pair à pair, c'est dans le travail de territoire à territoire que se passent souvent des transformations. Beaucoup de gens viennent à Losangoël et en repartent en disant « je l'ai vu, c'est possible de faire autrement ». Et notamment, je reçois beaucoup de bassins miniers. J'ai beaucoup travaillé avec les verts allemands, avec beaucoup de verts et d'élus de toute l'Europe. Et donc, oui, je pense qu'il faut que l'Europe ne mette pas de l'argent que dans le hard, mais soit capable d'accompagner ces processus de transformation intime, les voyages apprenants, le pair à pair, le décalage des représentations. C'est pas ce qui vient spontanément, mais c'est ce qui touche à la transformation profonde et à la capacité de penser autrement. Sinon, on cherche à reproduire le modèle et on va passer du charbon au gaz, on cherche à reproduire le modèle. Voilà, merci de cet échange. Thank you very much to all the panelists. It's been a really interesting discussion. This webinar has been recorded, so it can be viewed after. And we hope you've enjoyed it and you've been able to enjoy your lunch break whilst we've been talking about the just transition. Thank you to the technical team as well for making this possible.
And sorry, we haven't been able to answer all of the questions, but we did our best to get through some of them. So thanks again and have a good day. Et merci à notre modératrice. Merci, Francesca.